Et pour terminer sur l'émission de Laurent Delahousse, Un jour un destin, il va nous présenter mercredi un nouveau numéro de cette émission culte, ce jour où tout a basculé dans la vie d'une personnalité. Aujourd'hui, en exclusivité, il va nous présenter un extrait de la prochaine émission. Laurent Delahousse. Julie Leclerc, Julie d'Europe 1 est personne incontournable, insaisissable, inamovible. Mais qui est vraiment Julie d'Europe 1? Voici le jour où tout a basculé dans la vie de Julie Leclerc, un jour un destin, Julie d'Europe 1. Oh non. Nous sommes le 11 février 1900. C'est le début du siècle et c'est la naissance de la radio. Pas Julie, bande de goujats. Julie naîtra, elle, beaucoup plus tard, en mai 1902. À l'âge de 6 ans, elle est opérée de l'appendicite. C'est à ce moment précis que la vie de Julie Leclerc bascule. Le chirurgien qui opère Julie commet une erreur irréparable. Il fait tomber sa montre à gousset dans le corps de l'enfant et referme le tout avec 12 points de suture. Depuis ce jour, toutes les 3 minutes, Julie Leclerc se sent obligée de donner l'heure. La suite de ce destin passionnant, tourmenté, iconoclaste, à quartz, c'est ce soir, dans Un jour en destin. Merci à elle, merci à vous et surtout n'oubliez jamais, putain que je suis beau.